Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, j'espère que vous allez un petit peu mieux que moi, pour le coup, voilà, oui je suis malade. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Euro Truck Simulator 2, un nouveau convoi et en très bonne compagnie. Malheureusement Turbo n'est pas avec nous. Ah Turbo, vous savez, ça fait un petit moment qu'il nous évite. Non je plaisante évidemment, c'est pour la vanne, on le retrouvera la semaine prochaine, voilà, on le retrouvera la semaine prochaine, ça c'est clair et net. Alors les amis, restez bien à l'affût sur les réseaux pour ne rien louper, parce qu'il va se passer des choses. En tout cas les amis, aujourd'hui nouveau convoi bien sûr avec L7C Fox, avec Seb, avec My Godness, avec moi-même et avec Mister Kalash, le skinner de la TLF les amis. Donc ça fait vraiment trop plaisir, on va bien s'amuser. Alors voilà, petit spoiler alert, même si je dis évidemment des conneries, ça ne change pas, hein, c'est moi-même, ça ne bougera pas, je serai toujours aussi fifou. Mais je suis un peu plus calme, forcément, je suis un peu plus calme, je parle un peu moins et surtout je tousse et je me mute le plus souvent possible. Mais voilà, je suis un petit peu malade comme je vous l'ai expliqué. J'espère que vous allez quand même apprécier cette vidéo, voilà, un petit peu plus chill, j'ai envie de dire, mais tout aussi beauf, ça ne change pas. Voilà, sachez-le. Également, il n'y a pas toutes les parties des trajets, il y a des extraits ici et là un petit peu random. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on parle beaucoup et on parle beaucoup de choses qui ne peuvent pas aller sur YouTube. Alors non pas qu'on parle de trucs bizarres ou quoi, hein, mais on parle de choses privées. Donc forcément je peux pas tout mettre sur YouTube. Donc des fois vous allez voir des séquences où on est à Pata ou Schnock et puis d'un coup on est ailleurs, etc. Donc voilà, comme ça vous le savez, c'est vraiment une petite vidéo détente, bah, comme tous les autres convois, me diriez-vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage. N'oubliez pas le like pour m'encourager parce que là je suis en train de perdre ma voix sur cette introduction, c'est phénoménal. Bon dimanche à vous et bonne semaine si vous regardez cette vidéo par la suite. Des bisous, ciao tout le monde. Enfin des bisous, on se calme, hein, parce que je suis malade, j'ai pas envie de vous contaminer. C'est bon, ça, vas-y, je te laisse passer devant Kalash. Ok, ça marche. Impeccable. Tu vas surveiller comment je roule. T'es italien, Kalash? Pas du tout. D'accord. Tant pis. <C'est>... La déception. C'est pas grave, hein. J'aurais tenté. Bah en même temps, vu les couleurs, oui, ça, voilà. Faut se poser la question. C'est Marco Simonelli là, le pilote de MotoGP. D'accord, ok, ouais, je connais bien, ouais. On l'embrasse. Ouais, bien fort. Simon Cellier, oui. Pas Simon. Après, je t'avouerai, j'ai vu le camion sur Facebook, je me suis dit, oh putain, il est trop beau, faut que je le refasse en vidéo. Ah, sur le Facebook Workshop? Non, non, sur... en vrai, hein, sur Renault Truck, je crois qu'il était. Sur Facebook? Sur la page Renault Truck, ouais, ouais, sur la page Renault Truck, à un moment, il l'avait mis, je crois. Je crois que c'était lui qui l'avait mis. Sur la page Renault Truck? Ouais. Qu'est-ce qui te surprend? Ouais, vas-y, dis-nous. Le vrai Renault Truck? Bah oui, bah, à mon avis il devait être, tu sais, à un rassemblement ou genre 24 heures du moins, un truc comme ça, et puis ils ont dû le poster. Mais c'était quoi qui t'étonne, Nico? c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça. Bah que Renault Truck mette un skin Euro Truck. Non, ça, c'était pas un skin Euro Truck. C'est pas un skin Euro Truck. En vrai, c'est une vraie peinture sur un vrai camion. Ah, c'est dans ce sens-là, d'accord. Oui, que j'ai reproduit sur sur ETS. Ah, mais oui, c'est toi, mais c'est vrai, mais oui, mais de toute façon, bah oui, Mister. Mais putain, mais je suis con, j'avais oublié que t'étais skinner. Oui. L'espace d'un instant, oh bah. Moi je croyais que t'étais juste un gars qui faisait des mobs sur Call of. Ah, excellent. C'est bon, j'ai pris ma retraite de ça. C'est vrai? Ah, merde. Ouais. Ah putain, c'est bon ça. Ok, bah super bien. J'ai fait, en tout cas. Des monnettes. Merci. Eh ben, pas de soucis. Ouais, en fait, du coup, c'est ça ce qui est bon. Nos magnifiques skins de la TLF. Ah bah non, bah si. Bah si. Bah si. Si, si, c'est bah, vrai. Si. C'est ça. Nous avons le, oui, créateur juste devant moi. Je vois ses fesses. Le skinner. Le skinner officiel de la TLF. C'est bon ça. Moi je dis GG, les skins sont chouettes. Oui. Eh ben merci, merci. Voilà, chacun se fait saucer positivement dans les convois, et bah c'est au tour de Kalash aujourd'hui. Mais... Non mais c'est important de dire les choses, hein, c'est bien. Exact. Ça a pris du temps,
mais bon, le rendu est bien. Le rendu est très très bien. Ah oui, bon, après, c'était. Tu me l'as demandé, à partir de tu m'as demandé, je crois que j'ai passé la pire année de ma vie. Mais parce que tout s'est enchaîné, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu. Ouais. C'est vrai qu'avec toutes tes mésaventures et tout. Mais bon, après, tu sais, c'est comme je te l'ai dit, je te l'ai toujours dit, t'avais le temps, il n'y avait rien de pressé. Et puis finalement, t'en as fait plus que moi j'aurais pensé avoir, tu vois. Alors, Et puis il y en a encore qui arriveront, il y aura des petites updates qui arriveront. Oh, ben ça freine fort. J'ai mon frein là, et mon pédalier, je pense qu'il est très mal réglé. J'ai à peine appuyé sur le frein, j'ai. Ah ouais. T'as tout planté. Je te jure. Ah, ça m'a fait. Mais pareil avec la manette, si je règle pas un peu, à peine j'effleure la gâchette, laisse tomber le coup de pile que ça met. Quoi. Ah bah moi quand je m'effleure la gâchette, c'est pareil. Hein. Ah bah oui, toi on se doute que ça pile. Hein. Ah putain, c'est bon ça. Qu'est-ce t'en dis, Turbo? On l'embrasse bien fort, Turbo, pense à lui. Évidemment. Oui. L'étoile montante. C'est ça. Mine de rien, je risque d'être sage la semaine prochaine aussi. Hein. Ah bah t'as intérêt. Ah non, non, faut pas. Hein. Y'a pas la douane, j'espère. Si. Ah, parce qu'il se pourrait que j'ai une batte de baseball à côté de moi. Eh ben. Tu peux pas la planquer dans tes draps? J'ai pas de drame, je ressens rien. Hein. Une autre chose, moi. Ah, dans ton cul? Non, on a rien de cul. Ça va faire un peu mal, mais j'ai essayé, écoute. Vas-y. Si on entend hurler. Ah, c'est bon, elle est passée. Je cherche les fesses, par contre. Bonjour, monsieur le douanier. Vous allez bien? J'ai pas de tout suspect. Au revoir. Putain. C'est bon, je suis passé. Impeccable. Ah ouf. Elle a fait mal celle-là. Ça valait les coups. Le pire c'est qu'il y a d'autres péages, enfin d'autres. Oh, merde. D'autres. Il va falloir sortir si vite. Mais maintenant c'est dilaté, il peut la rentrer de nouveau. Ouais. Et elle s'arrête tout seul. Hop. Et voilà, c'est bon. Comme dans ça Uber. Fait même plus mal à force. Et si y a My Goodness? Ah, et c'est j'ai juste. Encore une fois, j'ai essayé de me concentrer, mais ça n'a pas fonctionné. Attends, Seb, attends un petit ouais, peu. Ouais. My Goodness, on a dit, fais-la descendre, t'arrives pas à te concentrer. Ah, parce qu'il l'a ramené avec lui? Ah, bah oui, c'est un petit malin. Oh là là, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, en fait, de quoi on fait référence, tout à l'heure, on était tous les quatre, tous ensemble, Fox, Kalash, Seb et moi. Et My Goodness, il faisait bande à part. En fait, il était dans une petite ruelle. Et je sais pas, il y avait une dame avec lui dans la cabine. Et elle arrêtait pas d'hocher de la tête. Elle avait l'air d'accord. Bon, je sais pas de quoi du coup elle était d'accord, mais elle hochait de la tête. Et puis. Mais elle est encore dans la cabine avec toi, quoi. Non. T'es un vrai cochon. Y'a personne, d'accord. Il l'a mis dans la. Il l'a planqué pour le passage des douanes. Elle est sous la couchette. Dans le coffre, sous la couchette. Oh putain. C'est pas possible ça. Et après il appelle ses villages Virginie la mauvaise. Oh la ref. Ah ouais. Ah ça t'a marqué ça hein. Ah clairement. Bah, le camion derrière moi il fait gauche droite. Il arrête pas de changer de voie. Qu'est-ce qu'il fait avec son Merco lui? Mais pourquoi vous prenez pas le télépéage les gars? Je sais pas, j'ai pas. Oh la voiture. Oh là, bravo. Oh punaise, du coup j'ai mangé la Tesla à cause de toi. On est de la loutre. Allez, bon courage pour nous rattraper. Salut, Terus. Ah bah on arrive sur le point de vue. Dis donc, monsieur Kalash, là c'est pas gentil ça de me bloquer. Désolé, j'ai pas vu ça préciser. Ah c'est pas grave, je retiens. Pas grave.
fait le camion balai, moi ça me va. Il y a Skoda devant qui roule à 40. Ouais, il roule à... Bah ça y est, là, ils vont rouler à 70 maintenant. Ça se traîne là. Ah bah c'est bon, il s'est barré. Et pour ma défense, c'est parce que j'ai un Renault, du coup si je freine, je réaccélère pas. Ah bon, ça va alors. Bah pourquoi tu freines maintenant? T'as dit que t'allais pas bah... C'est parce que sinon j'ai failli faire un bisou sur les fesses. Ah Nico, oui, c'est un petit peu tôt quand même hein. Ouais mais, non mais tu peux y aller, il aime ça. Attendez, bougez pas encore. Oh non mais je bouge pas. Ouais parce que là on est deux courons là, on n'arrive pas à... Avec ces médéos là. On est d'accord hein. Ouais. Trouve pas le bon mais en soleil 10 à 19h43. T'as un beau coucher de soleil. 19h43. 43 ah, même 20h. Ouais. 20h08. 19h, c'est pas mal, ouais. 19h55, là. Ah, pas mal. On met aussi longtemps pour faire une photo que quand on se met à quai. Ouais, j'ai la photo parfaite, je crois. Limite, la mise à quai, elle va plus vite, quoi. Ouais, allez, c'est bon. C'est bon pour moi, également. Impeccable. C'est bon pour tout le monde, les photos ? C'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Ah là. Alors t'as que la mienne elle est en plein milieu je crois, ouais. Oui bah je me la suis bien mangée. Mon petit client ça serait... Ouais je m'en fous du client. Ouais moi je l'ai eu tout à l'heure déjà le message. On sera un peu en retard, il attendra. Il va pas nous les briser non plus. Non t'inquiète. Bien sûr que je m'inquiète. Oui. Oh, vous êtes embrassé les rétros? Non. Ah. Moi, je trouvais c'est ça vrai, sensuel. T'as vu... Ah. Est-ce qu'on roule de nuit la suite ou Nico, tu veux nous mettre le jour? Si vous voulez qu'on dorme, on peut dormir, y a pas de problème. Hein. On peut, hein. Moi, ça me dérange pas. Allez. De toute façon, on a foutu assez le bordel ici. Ouais, je pense. Bah alors, on est plus rancé. Déjà, il va falloir que vous sortiez de là proprement. Pas de problème. Pas de problème. Kalash, si tu veux y aller. Vous rentrez pas bon, dedans. Bon, bah, je crois que la route est à nous, quoi. Bah, ouais. Je bloque. Je fais le bloqueur, comme d'habitude. Ça marche. Ah, t'es à de bloc, en fait. C'est ça. Step block. Bah là tu me bloques plutôt moi. Ouais parce que je passe devant toi pour la fois. D'accord. J'ai décidé. Eh bien je vais aller me faire foutre. Voilà. Ça, il va se taper toutes les bagnoles derrière. Et comme moi derrière. Vas-y vite Kalash, vite. Non si vous passez tout de suite vous allez les bloquer. Waouh. Mais ça passera pas la Kalash hein. Ah, non ça passera pas. C'est éclair et net hein. Et c'est parce que l'on foirait avec son Merco. Ouais, voilà, recule, je préfère. Fais gaffe, j'ai une boîte de baseball, je vais la sortir, tu vas pas comprendre. Ah, tu l'as encore gardé en toi Ah, bah c'est bon, j'ai oublié d'enlever. Attendez, les gars, attendez, les gars, Kalash est pas encore là. On vous attend, on va doucement. Ouais. C'est bon, ça passe. Le temps qu'on arrive. Ah là là. Non. Ah là là. On est là les potos. Allez c'est reparti mon kiki. Let's go. Eh c'est de la belle route ça. Ça a l'air sympa ouais. Bah ouais c'est cool. Encore une fois Dieu nous a bien conseillé. Oh bien dit. Oh my goodness. Oh my gosh. Oh my gosh.
Et vous avez de la pluie là ou pas? Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Donc tu peux rouler tranquille, Fox, hein, vraiment fais pas de folie. Hein. Non, t'inquiète. Il pleut comme vache qui pisse. Ouais, ah ouais. C'est ça qui est bon. Ah, ça me change pas d'habitude, hein. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau. Kiffe le morceau. Non, c'est 50 là. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. J'ai l'impression de me traîner le zizi. Ah, mais attends, il pleut, fais gaffe, hein. C'est mouillé, hein. Bah, justement. Ça qui est bon, hein. Et bien voilà, la pluie se calme en plus. Ah non. Ah si, non. Ah si, non. Mais j'ai un sport, non, mais pour moi il pleut toujours autant. Ah ouais, c'est un truc calme là aussi. Ah, moi c'est la fin, ouais. Il me reste, aussi, ça se termine, il me reste juste des petites gouttes. Ça se termine. Est-ce que tu parles de est-ce que, my goodness, tu parles de la dame à côté de toi? T'arrives sur la fin. La my goodness, t'en as pour la soirée avec madame. Hein. C'est pas grave, t'inquiète. Il manque plus que Turbo et là, c'est foutu. Là. Ah ouais, je te jure. C'est bon, ça. Ouais. Eh, vous aviez vu, il y avait un tonneau en feu à droite. Ah non, j'ai pas. Et voilà, Il a acheté, le DLC West Balcoran. Il profite même pas des paysages. J'ai regardé la route, moi. Excusez-moi, monsieur. Ah putain, il regardait la route. Non, mais sérieusement. Je suis un professionnel, moi, monsieur. Et tu roules en vue extérieure pour voir ça ou quoi? Non, c'était à droite sur le bas côté de la route, quoi. J'ai pas vu de. J'ai pas vu ça, moi. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme d'habitude, l'acuité visuelle n'est pas au rendez-vous. Oui, oh, bah, ça va. Non, j'ai été ce matin à l'œillologue, alors. À l'œillologue. Ok, bon, si l'œillologue a dit que ça va. Bah, enfin, il a dit, maintenant. Tu l'as payé combien? Il voulait peut-être pas te vexer. Ouais, voilà. Oh putain. L'œillologue. L'autoroute en construction, là. Hein? L'autoroute en construction, c'est ça que t'as dit? Ouais, non, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chantier avec un pont qui se construit. Ah, au fond là-bas? Ouais. T'as vu, my goodness, en fait, il est déjà arrivé quoi. Ah, oui, d'accord. Ah, moi perso, j'ai toujours sous la pluie. Hein. Ah, ouais? Ah, ouais, moi aussi, y a même, c'est même une tempête même, hein, parce que oui, alors pour y voir. Ouais, mais ça c'est normal, c'est les deux. Vous venez des deux coins bien humides là. C'est pour pas trop vous dépayser. Hey. Ouais, je te le jure. Pourtant, je peux vous dire que c'est dans la cabine de My Godness que c'est le plus humide. Hein. Allez. C'est bon ça. Non, mais. Je crois que t'avais raison, il y en a pour la soirée. Ah, oh oui, mais bon. Ah, vous avez l'habitude, hein. Oh, oui, bah ouais, commence à connaître l'animal. Hein. Et my goodness, il a l'habitude. Ah, c'était tellement facile. Ah ouais. On va en mettre des bips là dans la vidéo là. Et j'étais chez les Transports 24 avant moi. Okay. Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai fait une partie des skins. Désolé, Fox, j'ai fait une partie des skins aussi chez eux. Ouais. Ah, le ouais. Non, c'est vrai. Non, mais. C'est pas ça. Il est bête. Oh putain. C'est pas ça, ce que j'allais dire. Oh. C'est exactement, bien sûr, ce qu'a dit Kalash, que les premiers skins de Yellow avec sa peinture trois couleurs, ouais, blanc, orange, bleu, là, que ben on le connaît par rapport tous à ça. Mm-hmm. Sauf toi, Nico. Voilà. Et et ben c'est Kalash qui avait dessiné les, ouais, les skins. Non, moi c'était plus le bleu. Ouais, en plus c'était de la merde. Bleu, voilà. Blanc et tu sais avec les flèches. Ah ben je suis arrivé sur la fin des oranges et je faisais plus de la personnalisation. D'accord. Je croyais que tu avais participé pas mal aussi avec la couleur orange. Ouais, j'avais fait, en gros c'était de la personnalisation plus ce que les conducteurs avaient demandé, genre tu peux mettre ça. Pardon. Ouf. Petit coup de stress, je regardais pas. C'est que je regardais où est-ce que j'allais me mettre. Ah, j'avoue, la taille de ta remorque.
Elle est grosse, hein. Je suis dit en PLS avec la mienne. Tu m'étonnes qu'elle monte toute dedans. Mais j'ai attendu que my goodness il sorte pour me mettre. Bizarre cette phrase, hein. Sortie de contexte, effectivement. Ouais. J'ai la pression là. Je sens que tout le monde me regarde. Ah oui. Ah, sans pression. Puis tu sais, ça fait vraiment ça. C'est-à-dire, t'as tous les chauffeurs qui regardent le gars galérer, personne va l'aider, quoi. Alors, mais ça. Petite marche avant. Hey, moi, je fais tout en deux fois, tu vois. J'aime pas tout faire en une fois. Ouais, je comprends. Non, pour revenir à ce que tu disais, Nico, y'a rien de pire que ça. Une bande de trous du cul qui se moque d'un chauffeur qui n'y arrive pas. Moi, franchement, j'ai envie de leur mettre des baffes à ceux qui font ça, tu sais. Non, parce que c'est vrai que le stress là, ça doit être ouf là. Hop, et voilà. Est-ce qu'elle est belle? J'ai même pas regardé. Ouais, ça va en vrai. Pas très droit, mais ça va. En vrai, quand c'est tes premières manœuvres, c'est stressant de fou. Hein. Quand t'as une bande de tocards là qui te regarde en ricanant, tu sais. Mm. Ça aide pas. En attendant, tu Discord fonctionne. Oui. Alors j'ai fait un truc entre temps. J'ai désactivé l'accélération matérielle Discord. Je sais pas si ça change quelque chose, mais visiblement. Mais pourquoi t'as fait ça? T'as vu ça sur quoi? Bon, je sais pas. Je suis allé dans les paramètres. Et ah ouais, comme ça au pif. Bah ouais. Ah ouais. Mais non, mais parce qu'en fait ça peut surcharger la carte graphique. Alors moi, dans mon cas, je me dis que je m'en fous. Et bon, on sait jamais. Et bah résultat, bah non, prévu, ça marche. Bah ça marche, hein. Bah ok, bon, peut-être. Mais je vois pas Bah en attendant, est-ce que tu m'as entendu planter? Ah non, mais justement, c'est pour ça que je l'ai dit. Et bien voilà, accélération matérielle. D'accord. Accélération petit pont, Kylian Mbappé. Merci à tous. Ouais, avec plaisir. Le football, il a changé. Mes chers compatriotes. Oh putain, ça y est. On l'a perdu. On l'arrête plus surtout. Comment voulez-vous un petit coup de Chirac, réussir dans notre pays, notre beau pays, qui est la France? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des tourneurs de volant? Vive la République! Vive la France! Non, par contre, tu vois, je dois dire un truc, ce que j'apprécie énormément, bah, j'ai fait 100 km sur Grand Utopia en commençant par MyGotopia. D'ailleurs, j'espère que c'est comptabilisé, Fox. Attends, recommence là. Vas-y là, recommence. Si j'utilise une partie de MyGotopia. Ouais, non mais recommence ce que tu as dit. Tu as dit que tu avais commencé. Vas-y, continue. Bah, pour l'événement. Ouais, j'ai fait 100 km et j'ai commencé une mission à MyGotopia. D'accord. Donc encore un qui dit rien du tout, quoi. C'est pas comptabilisé? C'est pas ça, mais tu te rappelles, t'as pas fait gaffe ce qui est marqué dans le. Mais ma toute première mission, elle a commencé à Chirac, hein. Ah voilà, je croyais que tu disais que t'avais commencé à MyGotopia. Ah, mais non, mais ma première livraison, en plus, je l'ai fait en vidéo. Non, j'ai commencé à Chirac. Bah, c'est pour ça, mais d'accord, mais ok. Eh bien sûr, tu peux. Il y a bien marqué. Et oui, Utopia, et c'est ça. J'ai bien lu, tu me connais, j'ai bien lu, donc c'est pour ça. Ouais, mais justement, oui, je te connais, oui. Alors voilà. Et j'ai fait 100 km et franchement, que du bonheur en fait. J'avais complètement oublié, ça fait du bien. Bon, déjà, Grand Utopia, je le redécouvre et je me dis, mais c'est incroyable, je suis jamais passé par là, c'est pas possible. Ouais, j'ai vu et... quand t'as fait au niveau du tunnel là, quand t'as dit. Ouais. Ouais, avec les néons bleus là. Ouais, mais il y a plein d'autres trucs aussi, même que j'ai pas forcément filmé, mes 100 km, mais. Bon, et c'est incroyable, mais en plus, MyGotopia, mais c'est. C'est un plaisir monstre parce que au moins bah, c'est le kiff de American Truck, mais en version qualité, quoi. Voilà. Non, quand même, il faut pas. Ah bah si. C'est pas au niveau d'American Truck, mais au moins. Ah bah si. Un peu la française, je trouve c'est cool. Non, franchement, c'est top.